Salut à tous, petite news rapide pour vous informer que le youtubeur Dirty Biology est accusé de V, oui, V-I-O-L. Et oui, bah là, c'est finito généralement quand on t'accuse de ça, c'est très dur de se relever. Et c'est Mediapart, comme d'habitude, qui trouve les bons coups, hein, on espère qu'ils s'en remettront. Alors oui, Dirty Biology, un youtubeur qui fait de la SVT les amis, cancel par Mediapart, accusé de V par plusieurs femmes. Star de YouTube, Léo Grasset est mis en cause par plusieurs femmes. À la tête d'une chaîne spécialisée de vulgarisation scientifique, le trentenaire est mis en cause par plusieurs vidéastes. L'une d'entre elles est l'accusation de V. Cette autre affirme avoir subi des violences psychologiques, sexuelles ou avoir constaté un comportement jugé problématique. Questionné, il n'a pas souhaité répondre. Et voilà. Je suis tellement en colère, je suis tellement meurtri. Ces mots, Lisa. Oh mais c'est Lisa de Genshin Impact! Est-ce qu'elle va dire ara ara et faire des éclairs? Non, je ne sais pas. A beaucoup hésité à prononcer les mots publiquement. À la tête d'une chaîne à succès YouTube, la jeune femme a soupécé longuement le fait de dénoncer les violences dans son milieu où la réputation blablabla payait. Non. Voilà, juste pour vous informer de cette news. On va voir sur Twitter si c'est la grosse sauce. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup de news, hein. C'est juste le début de drama. Oh non, je suis déçu! Dirty Biology quoi! Mec, tu déconnes fort! C'est pas lui qui s'était trouvé beau sur une vidéo et plein de femmes l'adoraient. Et oui, justement, faut faire attention à ça, ça peut se retourner contre vous, n'est-ce pas? C'est triste. Oh la violence, il y en a qui sont haineux, mais ils sont nourris par la haine ou quoi? On te lule, sale de mer, mais c'est méchant, on ne cautionne pas ça, c'est horrible évidemment. Alors il y a toujours présomption d'innocence, hein, mais bon, les woke sont déjà sur place pour comment il s'appelle? Elle Léo? Là, t'as tout le monde sur Twitter qui se déchaîne. La justice populaire. Nous sommes clairement pas prêts. Et j'ai regardé les commentaires sur la dernière vidéo. Ça part direct en cancel. Le début de la fin, mon pote. Force contre les seuleurs. J'espère que c'est faux, Léo. Aïe aïe aïe, c'est un cancel qui s'annonce. GG à toi. Le V. Et regardez, il y a un opportuniste là. C'est qui lui? On sait pas qui c'est là. Ça commence par un P et ça finit par un K. Mais lui aussi est dans une sauce contre le supra-docteur, Docteur Robotnik. Il n'est pas prêt, lui aussi il affronte ses cancelleurs, nous sommes pas prêts. V, désabonnez-vous, à quoi une vidéo réponse sur l'article de Mediapart? Bah moi j'aimerais bien le lire en entier mais je suis pauvre. Alors abonnez-vous et allez sur ma chaîne Twitch, abonnez-vous aussi, c'est gratos. Enfin bref, on va suivre le drama, je vais peut-être faire un live Twitch du coup parce que bon. Là il y a du drama géopolitique, il y a du flux d'informations, c'est de la monétisation pour le peuple. Allez, à plus, Amogus, et qu'est-ce que vous pensez de Léo Grasset? On espère qu'il s'en remettra.